Bonjour YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Cyberpunk 2077, les amis. On continue l'histoire principale, la trame principale. Il faut qu'on appelle Mr. Hands. Let's go. Mais, comment ça va? Il faut que je parle au chef des Voodoo Boys, si vous pouvez m'arranger ça. Bien, bien, bien. Tu perds pas de temps, toi, au moins. Je suis où, là? Tu dois parler de Maman Brigitte. Ça va pas être facile. Maman Brigitte. Vous faites pas du tout affaire avec eux? Pas avec les autres chefs et autres sommités. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? What the fuck? J'ai raté un épisode. Mais si tu insistes, je peux me renseigner, essayer d'organiser un truc. Il me faut juste des détails. Hein. Si tu choisis une autre faction, c'est un tout petit peu différent sur les réponses et quelques trucs, mais apparemment, c'est qu'au début du jeu, c'est pas tout le long du jeu, quoi. Ils ont tout ce qu'il leur faut, leurs propres contacts, tech, réseau. Le jeu est beau quand même. Mais il est grainé, je sais pas pourquoi, c'est grainé, tu vois. C'est vraiment bizarre, c'est pas lisse. Alors, et pourtant je suis full max ultra dans tous les sens, hein. Genre machine de guerre en mode tout est à fond, quoi. C'est vraiment bizarre cet effet grain que vous voyez probablement pas parce que c'est hyper... le bitrate est c'est hyper compressé sur Twitch et YouTube, n'en parlons même pas, c'est encore plus compressé. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Suivre d'autres pistes en attendant que Mr. Hands vous rappelle, ça marche. Donc je l'ai appelé juste pour l'appeler du coup. Alors, donc là il n'y a plus rien à faire, donc on va aller voir autre chose. Danger moyen, tu vois, plutôt aller sur... Retourner voir Rogue avec 15 000 boules. Est-ce que j'ai 20 000 boules? Ben voilà. On va retourner voir lui, c'est vrai qu'on devait... je sais plus ce qu'on devait lui acheter, mais on devait lui acheter. CV pour la voiture, mais j'en ai pas. Ça tombe bien. On va braquer celle-là. Salut. Vous devez me laisser partir. Merci. Bien brave. Alors. Oh la vache, mais c'est quoi cette caisse? Ok, let's go. Let's go, let's go. Let's go. On est à... Alors par contre, j'aime bien me balader dans la ville. Elle est vraiment jolie. Hein. Mais non, me dis pas qu'ils me font faire le... Ah, j'ai cru qu'ils me faisaient faire le tour et... Salut Claire. Salut. Je crois pas qu'on se connaisse. Je suis Claire. Tu te rappelles pas? La barmaid à l'Afterlife. Salut Claire. Audience. T'as gagné une sacrée répute au bar. Putain, mais elle est vraiment pourrie sa voiture. Et il se trouve que j'ai besoin d'aide. Écoute. Il me faut un pilote pour des courses de rue. Passe à mon garage, je t'expliquerai tout. Non merci, ça m'intéresse pas. Oh putain, fallait tourner là. Attends, je vais essayer d'écraser personne parce que la dernière fois je me suis retrouvé avec. Je me suis retrouvé avec. Comment te dire, 5 étoiles à la GTA au cul. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Tu. Hop, on passe à droite. Attention, pousse-toi avec ton boui-boui, toi. J'ai pas le temps de niaiser. Tac, tac, c'est par là, je pense. Jump! Hoots! Voilà, on se calme. Alors là, il me demande de sortir. Calmez-vous, les gars, je cherche ma route. Waouh! Ok, c'est par là, je crois. Yes. Alors, lui, il va me braquer de l'oseille. Il va me braquer de l'oseille. 15 000 balles. J'ai pas de voiture et déjà je me fais... J'ai pas de voiture, pas de thune. Salut Emeric. Bien brave. J'ai pas d'oseille, j'ai pas de voiture. Et je dois déjà payer de l'oseille à des gens. Quelle galère. Salut. Ah oui, c'est à elle, c'est vrai. J'ai les Eddies. Salut. Et... Salut Rogue. La thune. Laisse-moi passer, toi. Crédit pour le job avec Hellman. Bien. Je viens de me faire piller 15 000 balles. Bonjour, ça part de là. Bonne VOD qui commence bien, on va se faire piller 15 000 balles. Sois de là. Assieds-toi. Ça marche. J'espère que tu l'as trouvé. Raconte-nous ce que t'as à nous raconter. Détermination comme ça, je vois pas souvent. Tu dois vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort. Ça non plus, je l'avais pas entendu depuis un bail. «
Laisse la bouteille. Vas-y, sers-toi un verre. Non, sans merci, plus. Merci, mais ça me dit rien. Quoi? Qu'est-ce que t'as? C'est dommage. Tu sais pas ce que tu rates. Lui, c'est un alcoolique, un tueur. Un violent, tout ce que tu veux. Merci, Inix. Reine de l'Afterlife. Qui l'eût cru? J'ai un éclat pour toi. Avec des infos très intéressantes. Montre. Qu'est-ce que t'as trouvé? Don Hellman ne bosse pour personne. Du moins, pas officiellement. Mais il apparaît dans les fichiers confidentiels de Tiant. Une filiale de Kang Tao, une corpo chinoise. Kang Tao s'en sert comme couverture depuis des années. Pour ses opérations plus sensibles. Tu comprends? Ouais. Il le protège sûrement d'Arasaka. Est-ce qu'on est Matt Kinyu? D'Arasaka et de toutes les méga-corpos qui veulent savoir ce qu'il sait. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Kang Tao. Skellman est dans l'un d'eux, c'est ça? Et lequel? Regarde la description de celui-là. Une seule navie, sans renfort au sol. Aucun manifeste de marchandises. C'est marrant. C'est vrai que Kang Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Mais là... Et Matt, le chargement de la navie, déjà approuvé par le système, mais trop léger. Impossible qu'une cargaison soit à bord. Oh. Mais il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Kang Tao et un VIP, transféré depuis Tianti. Notre gars, Hellman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ah, ça devait arriver. Et c'est quoi la mauvaise? La mauvaise, c'est le point d'extraction. Regarde, tout ça... C'est l'espace aérien de Night City. Ah, impossible d'attaquer la navie sans que le NCPD le remarque. Et là, on est trop près de Kang Tao. Si on s'avise de regarder la navie de travers, leurs mignons nous tomberont dessus. Là, par contre, dans les plaines Jackson... Quoi? Il y a un étroit couloir juste en dehors de la ville. Faut que je sorte de la ville? Direct, c'est ton jour de chance. Une zone morte. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. Quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel. Ouais. Un autochtone? Tu connais des mères qui collent au profil? Une seule. Madame Palmer. Elle peut plus compter sur son clan, mais c'est une vraie nomade. Elle connaît ce coin, et elle t'aidera. Elle y sera bien forcée. Elle y sera bien forcée? C'est pas très engageant. Ni pour elle, ni pour moi. Il faudra t'en contenter, vu tes moyens financiers plus que limités. Je peux vraiment pas laisser passer cette occasion d'enlever Hellman. C'est ton OP. À toi de voir. J'ai un mauvais pressentiment, V. Pourquoi Paname devrait m'aider? Elle est où, l'arnaque? Hein? Paname transporte de la marchandise pour moi, de temps à autre. Son dernier boulot, disons que c'était pas son jour. Y a eu un problème? Un foirage complet, plutôt. Elle a perdu la marchandise et sa bagnole. Paname fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dignité, je la connais. Bon, je veux bien essayer de l'aider. Il faudra d'abord savoir où chercher. On sait. Je sais. Raconte. Alors, dis-moi ce que tu sais. Rocky Ridge, une ville fantôme en dehors de Night City. Paname sait où c'est. Allez là-bas, choper la marchandise, oubliez pas la bagnole. Évidemment, tu vas d'abord l'appeler. Je t'envoie son com. Ah, enfin. Allez, foutons le camp d'ici. Toujours okay, beaucoup de tact de la part de... Bonne chance. De Kinyu. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle? Appelez Paname. Oh là, le nombre de messages que j'ai! What the fuck? Est-ce qu'elle va me répondre? Elle me connaît pas. J'entre. What the fuck, je suis en train de crever ou quoi? CV, c'est Rock qui m'a donné ton numéro. La marchandise est à caisse, tu veux la récupérer? Ce qui se passe entre Rogue et toi, j'en ai rien à battre.
Oula, il se met à courir d'un coup là. Oh! Mais je suis un peu débordé en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec ta caisse, c'est ça? Tu veux les récupérer? Je peux t'aider. Nice, c'est. C'est une Peugeot 508. Ok, ça marche. Enfin, un bout de Peugeot 508. Rejoindre Paname. Let's go. Oh la vache! Mais attends, mais elle est magnifique celle-là! Je savais pas qu'on avait des délires comme ça. Oh, là, ça va boularder, là, les mecs. On y est dans moins de 4 minutes. 2,6 km. Oh, les bâtards. Attends, on passe du temps en bagnole aussi. Attends, faut passer là. Calme-toi. Oh, là, on est... Oh, con, mais c'est un... C'est une fusée, le truc. Ah, par contre, comment on fait pour changer la radio, déjà? Les radios, c'est insane. C'est l'horreur. Night FM. Ouais. Si, c'est pas mal. Il y avait Radio Rock, je crois, mais... Ouais, c'est déjà un peu mieux que le truc de psychopathe, là. Let's go. Et on reçoit déjà des messages. Oh, con, mais c'est incontrôlable, ce bordel. Ouh, il y en a deux qui ont... Ils ont failli perdre une jambe chacun. T'inquiète, deux... Quoi? Pourquoi je vois rien, là? Ah, deux. Ok, droite, gauche, droite. Ouais, elle est monstrueuse. Il y avait un gars debout sur le toit de ma voiture. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah ouais. Il y a deux trois bugs quand même vite fait. Ça sent la bonne session. Le jeu va-t-il planter pendant la session ou pas? On a déjà fait une borne, ça va vite quand même. Ça va vite avec ce genre de véhicule. Ça marche pas les freins. Bingo. Allez, poussez-vous! Le jour où Pacific Internet allait faire l'amour. Vous avez quelque chose pour moi? Bon, comme je te l'ai dit, ce que tu as. Ok, tout va bien, mes gars. Je testais le frein à main. Je crois que c'est espace. Bon, qu'est-ce qu'il me raconte là? Alors, je t'ai mis sur le coup. Si tu bosses bien, tu pourras parler à Brigitte. Eh merde, je regardais la réponse. C'est pas grave, tout va bien. Elle est assurée. 550 mètres. Bah, c'était pas juste après plutôt? Pourquoi il me fait tourner là? Salut. C'était pas juste après? Ah. Ok. Je dois parler à qui alors? Point de rendez-vous à 325 mètres. Ok, c'est. Ok, d'accord, d'accord. Entendu, merci. Oh, je crois que le marché plus. Point de rendez-vous. Ah, mais fuck, mais laissez-moi tranquille. On va bosser ensemble. Je me suis dit que j'allais t'appeler. On m'appelle El Capitan. Et toi? Oh merde, elle avance plus la voiture. Véridique, hein. Je suis à fond, là. Je suis à fond sur le Z, elle avance plus. J'ai déjà fait pour moi. Quand on me confie un boulot, je m'en occupe à fond. Je mange, je dors et je respire boulot. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Laisse-moi tranquille. Ordres, mon capitaine. Toujours mes armes? Ah, nice. Je te tiens. Si t'as besoin de changer de caisse ou de bécane, j'ai tout ce qu'il faut. Et pour pas cher. Donc tu viens me voir quand tu veux, ok? Ah ouais, pour pas cher. Ouais, c'est intéressant. C'est ça le point de rendez-vous? Salut. Salut, Paname. Ah, elle est là. Salut. Paname. Tu dois être V. Elle est où, ma caisse? Bien vu. Aide-moi, et je te le dirai. Mais mon cul, ouais! Tu crois que je vais te laisser te servir de moi? Dis-moi, où est ma caisse? Eh, hey, tout doux. On se calme. Me donne pas d'ordre, ok? D'accord. C'est quoi cette DeLorean? Break. Si tu vas seul, tu les récupéreras pas. Et tu risques d'y perdre autre chose. Alors on n'a qu'à trouver un arrangement. Dis oui. Qu'est-ce que tu veux? Ah... Tu vas parler à un type, un corpo. Il sera à bord d'un de leurs convois. Non, les enlèvements je fais pas. En plus, pour s'attaquer à un convoi. Salut papy, qu'est-ce qu'il dit? Comment il va? L'itinéraire prévu passe au-dessus des plaines Jackson.
Putain, je rêve. En échange, t'auras des infos sur ton chargement et mon aide pour le récupérer. Ok ? Je sais pas. Ça paraît pas mal. Merde ! Elle est vénère, elle. Mais si tu veux que ton plan marche, on doit d'abord récupérer ma Sorton. Alors, elle est où ? Ta caisse est à Rocky Ridge. Tu sais où c'est, à ce qui paraît. Elle est là-bas, et la marchandise aussi. Nage, sale petite ordure. Ouais, tranquillou, ça va, tranquillou. Let's go. Alors, en route pour Rocky Ridge. Moi, j'espère que ta voiture fonctionne, parce que la mienne, elle est dead. Une minute. Faut que je réfléchisse. Prends ton temps. On aura besoin de renfort. Va falloir faire un arrêt en chemin. J'ai pas de sous, hein. Arrêtez de me gratter mon oseille. J'appelle le client. J'ai pas de sous. Elle peut boucler la transaction dans le dos de Rogue. Waouh, ça c'est courageux. Ou alors elle a un creux à la place du cerveau. Hey, salut Buzz. Nash doit te refiler la marchandise à Rocky Ridge. Le truc, c'est que ce fils de chien m'a baisé. Buzz, je vais m'en occuper. Je te demande juste de me laisser. Les dialogues sont très bons, c'est clair. Même les accents et tout sont très bons, y a pas à dire. Combien de fois j'ai transporté des trucs? Hop là. Et combien de fois j'ai merdé, hein? Je te donne ma parole. Les esquives sont un peu, c'est un peu la galère. Ok. Non, annule pas le rendez-vous. Mais t'y pointe pas. Mais bouge ton fion, là. Je veux vraiment que je te réponde. Ah putain, ils font que parler, c'est un truc de ouf. Tu le regretteras pas. C'est bon, je nous ai fait gagner du temps. Maintenant. Au camp des Halles des Caldos. Oula. Je dois voir des gars du clan. T'as pas l'air super emballé. C'est pas ton problème. On va recruter du Mexicain. Quoi que c'est violent le Mexicain. Le Mexicain en général, ça a pas le temps. Hein. Ah, c'est bon, on prend sa caisse. Ça me fait plaisir. En plus, c'est une sport, c'est une RS ça, non? C'est une RS, je pense. Waouh. Incroyable. J'en suis où sur le jeu? Aucune idée. Sympa la caisse. Aucune idée, je suis au début. Hein. J'ai fait 7 heures pour l'instant. Accroche-toi, ça va boularder. Comment t'as fait pour te retrouver dans cette merde? Je suis au début du jeu, je pense. Le son est pas très fort, non? Et je te parle pas du petit sapin. On attend un peu plus fort comme ça. Tu sais que je parlais pas de la voiture. Ouais, je suis au début. Je suis au début, je pense. J'ai pas l'intention de laisser mon partenaire me voler et s'en tirer comme ça? Que ma fixeur m'a fait passer pour la dernière des connes? Ça, c'est ma 8ème heure de jeu là. Et toi, tu peux me dire pourquoi t'as besoin de ce clown dans la navie? On peut encore monter là. Il les faut super rapidement. Voilà. Pourquoi elle m'a pas dit qu'elle était au courant? Oula, elle prend des virages, elle fait flipper. Tu dois avoir ses raisons. Oh, tu veux pas que je conduise Paname? On l'emmerde. C'est quoi? Ça part, ça fait très Keanu Reeves ça. Pourquoi tu lâches pas l'affaire? Parce que j'ai besoin de fric. Ah là, là, pour tenir à la droite, elle tient à la droite, elle roule même sur les cailloux. N'empêche que t'es là juste parce qu'elle t'a envoyé. En attendant, c'est pas moi qui bitch sur elle. On sort totalement de la ville, hein. Tu sais, je sais pas où elle m'emmène. Que dalle. Elle t'a dit que c'était elle qui m'avait mise en contact avec Nash. Et qu'elle avait juste oublié de me dire que c'était un Raffenshiv. Elle était peut-être pas au courant pour lui. Me fais pas rire. Les fixeurs comme elle savent ce genre de choses. Je te parie qu'elle sait qu'on parle d'elle en ce moment. Nash et moi, on avait un rôle à jouer dans son jeu. Son plan. C'est tout. Rogue est une sale conne frigide. C'est ça, la vérité. A du caractère, elle, waouh. Qu'est-ce qu'elle mangeait, là, à ton avis? Hein? Ah non, c'est des crayons, d'accord. C'est un truc pour les crayons. Tellement de détails. h 21 du matin. Ah bah tiens, il y a des voitures d'un coup. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi ça? Des éoliennes? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ces éoliennes? Ouais, et puis il y en a un. Oh con. Ils ont l'air vieilles, toutes rouillées.
Ça a l'air d'être un peu abandonné ici. Hein. Le camp des nomades. J'espère que tu vas pas devoir rentrer à pied. Ah mais j'ai des cyber orteils. Je me suis acheté ça par un charcutoc. C'est des cyber orteils. Chaque orteil équivaut à une jambe. C'est 2077 quoi. C'est... Elle va me buter ou qu'est-ce qu'elle m'emmène me... Ah tiens, je me disais, mais elle m'emmène faire quoi là? Elle m'emmène dans le désert pour me buter ou quoi? Diantre, c'est quoi ça? Oula, c'est... je peux prendre ça? S'il te plaît? Bonjour. Bonjour. Oula. Salut. Agression en cours du NCPD. Ouais, ben on s'en fout là, on est occupé là. On parle à Mitch et Scorpion. Salut Mitch. Un fantôme ou ma gueule de bois me joue des tours? Je t'emmerde moi aussi. Et c'est qui ça? Mon babysitter. Quand même, comment ça, je suis qui? Je te présente Scorpion et Mitch, deux vieux amis. Salut. Salut les gars. Salut. On va rester courtois parce que bon. Ici, la citadine, la grande ville est devenue. Il y a une capuche, les gens avec des capuches, j'ai jamais confiance. Est-ce que le vieux va vraiment être furax quand il va te voir ici? Je passe juste un coup de vent. Oh, ce truc là. Pas la peine d'en parler à Saul. On a besoin de votre aide. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les Raffen ont entubé Panam. On veut leur montrer que c'était pas une bonne idée. C'est grave, ce qu'ils t'ont fait? Suffisamment grave pour m'obliger à écouter sagement vos conneries. C'est reste tranquille, toi. Pour toi, frangine. Tu crois qu'on ne retrouve jamais ou quoi? Ça va être dur. Sérieusement, vous allez pas m'aider, là? Le vieux nous a dit de pas bouger. De remettre ses générateurs en marche. Et alors, l'histoire ancienne? Les batteries sont mortes. Bon, bah, des générateurs? Vous pouvez pas m'aider à cause de putain de générateurs? C'est encore une blague? On a vraiment besoin de vous. Aidez-nous, les gars. Ne me laissez pas avec elle. Elle est trop vénère. On a besoin de nous, ici. Putain! J'y crois pas. Vous restez bien sagement ici parce que Saul vous l'a dit. Saul? Vous n'avez rien à foutre de moi. Saul Goodman? C'est pas Saul le problème. C'est le clan. Tu le sais. Écoute, on peut pas quitter le camp, c'est mort, mais... Mais Saul nous a pas interdit de prêter du matos. Ok. Bon alors prête-nous ce que t'as. Je vais avoir besoin de ton fusil. Je vais prendre le buggy aussi là, vite moi. Fait. Celui-là. Prends tout ce que tu veux. Il est... Tu l'utilises plus. Fais gaffe à toi, ok? Ouais. Merci les gars. Je vais chercher le matos et je vous laisse tranquille. Suivre Panam. Au diantre. Tu vas devoir me supporter, on dirait. On va quand même les piller un peu, hein. Bah quoi, t'es déçu? On les connaît pas. Je sais pas. Peut-être un peu, ouais. C'est quoi, c'est un bar ici? C'est... Salut, je te pique. Je te pique ta bouffe, ça te dérange pas? Ah, je peux pas. Non, je peux pas traîner. On se parlera la prochaine fois. Mais c'est quoi? Mais c'est un village ici, c'est une ville en fait. Salut Panam. C'est un camp de scout. Un espèce de camp de scout un peu plus armé que la moyenne, on va dire. Saul est au courant. Mais ça reste un camp de scout quoi. Ça, c'est pas tes affaires. C'est qui Saul? Un camp de vacances, ouais, c'est ça. Attends, bouge pas, il y a une lampe. Oh diantre. Je peux. Oula, mais ça. Je peux en avoir un de ça, moi? Tu peux me donner un coup de main? C'est-à-dire? Prendre la boîte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelques bricoles qui devraient nous être utiles. Prends-la. Ce qu'il nous faut. Je peux pas. Allez, prendre le gun casse. Plutôt? Bon, ben d'accord. Vous avez réglé. C'est quoi ce truc à 20 mètres là? Genre, on peut acheter une arme? Non, mais de quoi tu te mêles, toi? Tu vends des armes, toi? Jackie? Salut. Je peux voir ce qu'il y a en magasin? Bien sûr. Je vous laisse regarder. Ah. Oh, ça c'est à moi? Ah putain, mais j'ai des grosses armes, j'ai du violet et tout. Hein. Et lui, il vend de l'orange. What? De l'orange genre légendaire? Ouais. Des munitions. Ah, ça m'intéresse ça, hein, à la limite. Hein. Je peux peut-être les construire, faudra que je regarde. Je sais qu'on peut. J'achète des balles de tout par contre. J'achète des balles de tout, je suis toujours en galère de balles. C'est la merde à chaque fois. Comme ça on est sûr. Ça. Et je vais équiper 3 guns différents aussi. Je suis là. Attends. Est-ce que t'as une seconde? Je vais équiper 3 guns différents. Là j'ai fusil d'assaut, mitraillette cinétique et fusil à double canon. Donc parfait, c'est pas les mêmes balles je pense.
Balle cinétique, balle cinétique. Ah mais si, c'est que balle cinétique. Hein. Balle technique. Non, c'est quoi? Comment on sait les balles que ça utilise? Tu vois, 437, 437, ça utilise la même chose. Donc là, c'est pas possible, tu vois. Direct. Hop. DPS. Donc toi, déjà, fusil de précision. Ça peut être pas mal, ça. 437. En fait, on voit les balles qui sont à côté, mais en fait, ah, tu vois, 230. En fait, il me faut un gun. Il me faut un gun, une mitraillette. Tu vois, c'est que des balles cinétiques, en fait. Alors, machin, truc qui peuvent ricocher au safe. Hein. Ah, mets-moi ça, là. Je peux pas ? Action impossible, parce que je suis en pleine quête. Parce que ça sert à rien d'avoir deux guns avec les mêmes armes, parce que dès que j'ai plus de balles... Une autre fois, Ellie. Dès que j'ai... On est occupé, là. Oh, vous nous... oh, elle est connue, alors. Quoi ? Je viens de me faire saigner 400 boules ? C'est quoi, c'est les 400 boules de, des balles, j'espère. Bon, j'y vais. Ouais, ouais. Le déhanché de bonus qu'ils ont mis. Ah bah ça, hein, il faut ce qu'il faut. Hein. Faut faire de la... Faut vendre le jeu. Hein. Oui, bah tu me parles pas comme ça, d'accord. C'est bon ? Est-ce que maintenant je peux changer d'arme ? Ou pas. Inventaire. Parce que le truc, c'est le problème, c'est les mêmes balles en fait. Technique, cinétique, et ça c'est quoi? Technique. 437 balles. C'est un petit peu la merde. Celui-là, il est à 136 DPS. Putain, je peux rien faire. Putain, c'est... On peut rien faire, on sait pas pourquoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, je suis obligé de parler avec. Scorpion et Mitch, c'est des vétérans. Qu'est-ce que tu sais sur Rocky Bridge? Mitch et Scorpion ont l'air de tenir à toi. T'as vraiment un problème avec l'autorité. Apparemment, t'as un gros problème avec l'autorité. Quoi? Oh. D'abord Rock, maintenant Saul. C'est ton chef, c'est ça? Leur chef. On aurait dit que t'avais l'air pressé de foutre le camp. Elle est immense, la ville. Je sens que Saul aurait pas été très content de me voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Y'a un truc là-haut, non? Une espèce de vaisseau qui vole à la... à l'altérette de carbone. Fouteur de merde, Gravity. Il en a marre qu'elle soit agressive et il essaye de la rendre... Il la rend agressive. Je voulais une vie différente, une vie meilleure. Mais Saul est qu'un putain de lâche. Je suis convaincu qu'il va mener le clan à sa perte. Saul. Ah, donc là, on est obligé de papoter un peu le champ. Mitch et Scorpion, c'est des types bien, on dirait. Écoute, Scar. Les meilleurs amis qu'une fille. Il a besoin de parler, je crois. Moi aussi, je resterais au camp si j'étais eux. Saul peut se foutre ses générateurs au cul. Mais le clan passe avant tout. Mais moi, j'en fais plus partie. Ils te traitent toujours comme une des leurs. Ils tiennent à toi. Pas quelqu'un que tu considères comme un proche, toi? Pas pour l'instant, mais... ça va peut-être pas tarder. Ok. Ils étaient dans l'armée, tes potes? Scorpion et Mitch? Ouais, c'était les Panzer Boys. Ils étaient mercenaires pendant la dernière guerre. Les Panzer Boys? Alors ils pilotaient ces énormes avions cargo? Scorpion, ouais. Mitch les protégeait. Ils ont eu droit à des implants militaires de bâtard et un tas de cauchemars bien tordus pour aller avec. Mmh. Rocky Ridge, c'est un trou paumé au milieu de nulle part, si j'ai bien compris. Les habitants ont tous fini par bouger à Night City ou par se casser. Ouais, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. La région attendait le prolongement de l'autoroute. C'était censé redynamiser la ville. Ça s'est jamais fait, bien sûr. Y a combien de villes fantômes comme ça? Des centaines? Dans tout le pays? Des milliers. J'ai pris la I-80 l'autre jour. Y a qu'à s'arrêter une fois que le soleil est couché, quand c'est calme. C'est là que tu l'entends. Tu parles de quoi? Le vent qui siffle à travers les fenêtres condamnées. Voilà, elle a lâché l'histoire de rouler à droite. Hein. C'est comme ça que les villes meurent. Pas dans le bruit et la fureur. Mais dans un gémissement. Ok. Ok, on y est. Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare à accueillir les Raffen, et on n'a pas beaucoup de temps, alors... Quoi? On devrait repérer les lieux d'abord, on trouvera peut-être quelque chose d'utile.
scanner les appareils dans la zone. Un chariot élévateur. Ouais. Et ça c'est quoi? Bah je peux pas le scanner. Machine de nettoyage. Machine pas sous tension, machine pas sous tension. Je vois pas comment Rocky Ridge pour... Oh pardon. Ce que t'étais en train de me raconter là. Faut allumer ça, c'est ça? Faut tout mettre sous tension. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Établir un plan avec Panam. T'as mis, y en a du boui-boui dans tous les sens là. Ouais, plus mort. Tout est HS, y'a rien qui marche. Oh con, qu'est-ce qui vient de se passer là? Il y a 50 000 trucs mais rien marche. Panam! Salut! Alors, t'as trouvé quelque chose? Ça marchera pas. Le courant est coupé partout. Eh ben on va changer ça. Les Raffens vont se pointer à la tombée de la nuit. On va leur préparer une petite surprise. Il nous faut juste un peu de jus. Jetons un œil au poste de transfo. Ok. Le transfo. Citerne de SHO2 explosif. Générateur. Ouais, c'est bien. Et on en fait quoi du transfo? Scanner la source d'alimentation. Il y a un loot là. Boîte à fusil. J'ai trouvé les disjoncteurs. Ils sont à court de jus. Que pas comme ça. J'ai une idée pour surprendre ces connards. Hous. Elle est où? Raconte. Okay. Alors le croisement est alimenté par ce poste de transfo. D'accord. Le tableau électrique sur le toit. On va appuyer sur l'interrupteur et bon, ça va être Noël. Je peux le faire ça? Bonne idée. Ouais. Il faut qu'on remette le courant. Je vais chercher les points d'accès. Super. Ils vont sûrement se pointer en nombre. Difficile de dire combien. Faut qu'on soit plus malin qu'eux et qu'on trouve un moyen d'arriver au pick-up. T'inquiète, j'ai quelques idées. Je vais leur préparer une petite surprise au croisement. Super, c'est parfait. Quand ils verront les lumières, ils se mettront forcément à chercher d'où ça vient. Nova. Ouais, on commence par allumer le terminal de contrôle juste en dessous. Sinon l'appareillage sur le toit servira à rien. En dessous? Là, là. On va lui donner un coup de boost avec la batterie de la caisse. Ça Attends-moi près du poste de transfo. Ça c'est pas bête. Panam. Ça c'est pas bête, Panam. Attends, c'est pas un transfo de la taille du truc. Elle est où? Oh, what the fuck. Ouais, pourquoi ils me disent de scanner ça? Call by. Le panneau a l'air en bon état. Je vais faire une dérivation vers la lime. Ça devrait fonctionner. Il faut juste qu'on la remette en marche. Prends les câbles dans le coffre. On va le démarrer avec la batterie de la caisse. On est en mode mécanicien, les gars, là. En mode mécano? Câble rouge connecté. Attends, donne-moi deux secondes, je dois tout raccorder ici. Prends ton temps, prends ton temps. C'est fait. Maintenant, le noir. Repose en paix. Ce vieux taco nous aura bien servi. Elle est dead, la voiture? Ok, j'ai tout vu. Allume le terminal à l'intérieur, et quand il y aura du courant dans le bâtiment, monte sur le toit. Ça marche. Je vais m'installer sur la tour. On aura une vue parfaite sur le croisement. Du coup, à mon signal, t'actives les disjoncteurs, ok? Hey, chef. Ça marche. Les deux en même temps? Ça va être dur, hein. Ah, faut que je le force. Ish, ish, athlétisme plus 1. Bah, tu m'étonnes, je suis un monstre. C'est là, c'est ça. Faut que j'appuie ouf. À utiliser. Quand tu veux. Ah, faut le tableau électrique est alimenté. Ok, d'accord. Nova, on va leur faire une petite surprise au croisement. Faut qu'on se mette en position. Ouais, il y avait l'air d'avoir... Du loot! Il y avait l'air d'avoir autre chose à faire, non? C'est au-dessus? Ouais, c'est au-dessus. Quoi? Quoi ce truc? Se cacher. Maintenant, ah d'accord. Putain, je vois rien. Putain, c'est sombre de ouf, là. Dès qu'on les voit, super, super sombre. Couvre-moi au cas où.
Ouais, si tu veux. Couvre-moi juste au cas où. Ça marche. Bon, ils sont où? Oh, diantre, qu'est-ce qui vient de se passer là? Je me fais hack. Non, ça dans va. Ma sorne. Tu la vois? On peut difficilement la rater. Un peu plus on tard. On va les prendre par surprise. Vaut mieux faire ça discrètement. Si jamais ça dérape, je les décapsule. C'est bon? Je les décapsule? Pourquoi ils s'arrêtent? Ah, mais c'est eux! What the fuck? Je suis caché là, les gars? Parce que bon. Ah ok, on va attendre le rendez-vous, c'est ça? Tiens-toi prêt. C'est parti pour le show. Ou pas. Que la lumière soit. Ok. Chope l'éclat de la voiture. C'est le chauffeur qui l'a. Cherche la fille avec une iroquoise. Merci de la repérer. Faut que je la tue? Ouais, je pense qu'il fallait pas leur tirer dessus. Hein. Dis ça, je dis rien. À mon avis, il fallait pas leur tirer dessus. Ça pète dans tous les sens. La manière forte, comme d'habitude, y'a que ça devrait. Pas là pour enfiler des kiwis. Je leur fais pas de dégâts par contre. Hein. Je dis ça, je dis rien. Putain, je suis meilleur que je pensais. Je suis vraiment buté, hein, je sais pas trop comment. Allez, bougez-vous. Des montes, hein. Ils ont de la vie, hein. Oui, ils se heal, j'en sais rien, mais. C'est les 20 de moins. Il reste plus que 4. Ok, plus que 2. Elle passe? Ah non, elle passe pas. Ça passe. Bim, je l'ai mis à côté de la bouche. C'est bon? Oh, je veux te violer. Elle m'a dit faut faire ça. Faut faire ça en scred. J'ai dit ok. J'ai sorti une grenade. Choqué. Ok, faut. Ok, on sort une grenade. Je prends le volant. Qu'est-ce que t'attends? Voilà. Tu crevais vraiment d'impatience. Ok. Si tu veux, allez. Si tu veux. On va se faire poursuivre, je pense. Je pense qu'on va se faire poursuivre. Enfin. Le gentleman. Tu vois, on vient de fight 7 mecs surarmés. Mais il y a moyen que ce soit le voyage qui nous finisse. On aurait peut-être pas dû accepter. Alors ? Quand tu veux, hein. Une vraie beauté, tu trouves pas ? Un vrai petit bijou. Joue, hein. Pourquoi tu tenais tant à la récupérer ? Elle et moi, on se complète. Tu vois ? On s'en est très bien sortis sans Mitch et Scorpion. Écoute, V, c'est pas encore fini. Ah bon ? On voit rien. Super sombre, hein. T'as ta caisse ? Hyper, j'ai hyper pas une lâche. Il était pas à Rocky Ridge. Cet enculé, il est resté planqué. Bah alors ? Madame. Écoute, j'ai un plan. Je m'en fous. On voulait récupérer ta marchandise, ta caisse, c'est fait. Les Six Street attendent des nouvelles et... Mais écoute-moi, putain! Je sais où se trouve leur planque. On va prendre la vieille autoroute, celle qui est pas finie. Ils nous attendront pas. J'en suis sûr. Traquer Nash faisait pas partie du plan. C'est parce que je pensais qu'il serait à Rocky Ridge. Mais il y était pas. Il est peut-être même pas dans leur planque. Je sais qu'il y avait. Ce raffin de merde s'est foutu de ma gueule. Je peux pas laisser pisser comme ça. Vénère, elle, hein. Tu comprends ça? Bon, allez. On va le démonter. Au final, je pense qu'on va le démonter. Et où ce repère?
Il est pas très loin d'ici. On va l'aider. Merci, V. Ah, c'est normal. Ouais, et après, c'est moi qui conduis, par contre. Je lui faisais confiance. C'est la première personne avec qui j'ai bossé après avoir quitté les Aldecaldos. Après avoir bougé à Night City. Je lui ai accordé toute ma confiance. La vengeance, c'est rarement la bonne solution. La raison plutôt que les sentiments. J'ai un avis intéressant, mais je préfère me forger ma propre opinion. On voit rien. C'est super sombre là. Comment elle fait pour voir la vitesse? Elle est là la vitesse et elle est là-bas. On roule à 40. Puis 40 hein. 40, 45. Genre pas une once d'accélération quoi. C'est quoi? C'est une grotte? What the fuck, on va s'enfermer dans une grotte contre des méchants? Ouais, je suis prêt. Peu près, ouais. Allez, go là. On va pas y passer la nuit. Ah, bah d'accord, elle rentre en bagnole dedans carrément. Let's go. Waouh, elle accélère de ouf là, mais calme-toi. Panam City. Ça va être fou ce qui va se passer là. Quoi? Ouais. Bah attends, j'ai pas d'armes. Ah, mais vas-y, c'est quoi ce bordel? Je fais pas de dégâts, c'est marrant ça. Oh yeah, j'ai vu, il y a des buts violets. Mais je suis un monstre, hein. Attends. Ferme ta putain de gueule. Tire dans la tête, ils ont pas les mêmes têtes que nous hein. On va se faire. Lui, il lui faut 47 balles dans la tête quoi. On touche le bâtard. Après, il y a un autre moyen. C'est ça. Ah ouais, ça. Ah ouais, bah ouais. Salut. Tu dégages. Tu dégages. Quoi? Moi j'ai une grenade en pleine bouche. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée, j'ai rien vu. Je sais même pas ce que... Oh là, ça bug là. Oh merde. J'ai des cheveux. Je suis une paire de cheveux. C'est incroyable ce qui se passe, je suis une paire de cheveux avec des globes oculaires. Il est à moi. Ouais, c'est plus efficace mais plus dangereux, c'est un peu ça. Hé, fais gaffe. Quoi, connard? Vous croyez vraiment que j'allais laisser couler? Je fais pas de dégâts, hein. Oh la vache. Ah oui, il se heal. Enfin, je fais tellement pas de dégâts. Hop là. Va falloir que je trouve de l'arme un peu qui envoie du poney. Hein. Parce qu'avec tout ce que j'ai mis comme dégâts, genre je fais pas de dommages. Ça sert à rien les dégâts. On va te faire. Tu décèdes ou hein? Allez! Oh là là, il y a des balles. Oh là là, il a 2 de vie. Il a tellement de chance. Ah, il s'est mis prêt. Ok, j'ai plus de balles. Ça va vite, hein. Celui-là, j'ai que 40 balles. Donc on va être obligé d'y aller aux pompes, hein, de toute façon. Tu vois, il y a un moment. Des minutes. Oh, mais je fais pas des... Pourri mes armes, c'est pas possible. J'ai pas de balles. Des balles de rien du tout. On fait démonter ça.
Ah, elle est avec moi, elle. Bon. C'est qui le lion maintenant? Mais surchauffe de quoi? Je suis en surchauffe constante, je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi. Oh, du loot orange. Voilà, c'est ça qu'on veut. Pourquoi je peux plus avancer là? Je peux plus bouger là, je sais pas pourquoi. Voilà, des balles un peu. Allez, cours. Je peux pas courir. Oh, je suis en bug total là, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je peux rien faire. Je peux plus rien faire. Ah, je suis trop lourd. C'est ça mon problème. Je pense que je suis trop lourd. J'ai loot aussi comme un dingue là. Bon, j'ai vu des trucs de fou passer là. J'ai des trucs orange, j'ai vu des... Je sais pas ce que c'est que j'ai loot pour être aussi lourd. À mon avis, je suis lourd. Inventaire, je suis à 224 sur 220. Donc le problème est probablement là. Hop, on va équiper ça. Démonter. Hop. Module. Ouh, augmente l'esquive. Réduit les dégâts des effets de statut. On fait une petite pause pendant le combat. Salut Fabio, ça va quoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est Cyberpunk. Augmente la vitesse de déplacement. On va mettre ça, tiens. Ah, je peux pas le... Okay. On s'équipe parce que... parce que c'est la merde. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est vert? Parce que je peux l'améliorer, c'est ça? Les nouvelles chaussures? Oh ouais. Beaucoup plus solide. Ensemble vestimentaire, on s'en fout. Hop. 47 points d'armure au lieu de 5. Alors, tu vois que... Il fallait que je passe par là. Il fallait vraiment que je passe par là. 220 sur 220. Bon, déjà, on va pouvoir looter un peu. Veste par balle. On va virer toutes les pourrites. J'en ai une à... Elle fait combien la mienne? 29,2. Celle-là, elle fait 41,2. C'est un truc de ouf. Hein. Je suis à la ramasse totale en stuff. Hein. Ouh, stylé avec une petite veste comme ça. Et là-dessus, qu'est-ce que j'ai? 13,5. Hop, on va mettre ça. On va délaître le reste. Tac. Ah, je gagne du poids à bloc. Le chapeau, maybe. 13,9, 14,1. Hop. Hop. Je pense dans les armes, je dois être blindé de merde. Je dois être blindé de merde. J'ai du katana. J'ai déjà tout ce qui est blanc, on peut le dégager, je pense. Tout ce qui est vert aussi. Hop, hop, hop. Les accessoires, on peut les garder. Ouais, voilà, tout ce qui est blanc déjà à la base. C'est des armes de merde. Déjà, ça va me faire gagner grave de la place. Ouais, peut-être que je mette un petit point dans le truc pour porter un peu plus. Hein. J'aurais bien aimé fusil de précision. Ah, ça y est, je peux le mettre. Lunettes. Hop. Donc le fusil de précision en 1. En 2, on va lui mettre une petite mitraillette de type sympathique. Un petit fusil d'assaut. Parfait. Avec une petite lunette aussi. Voilà. Et en 3, j'ai le pompe. J'aurais bien mis un flingue. Fusil d'assaut, mitrailleuse légère. N'a pas de gun. Je les ai tous vendus. J'ai que de la merde en gun. Fusil d'assaut, mitraillette, j'ai rien d'autre. C'est bon? Putain, mais pourquoi je suis vert comme ça? J'en ai pas la moindre idée. Je sais pas pourquoi il scanne, pourquoi il veut pas m'enlever ce scan de merde. Je peux pas courir. Je peux rien faire. Je peux pas tirer. Je peux rien faire. C'est un bug total là. Ouais, je pense qu'il faut que je me bute parce que je peux rien faire, je sais pas pourquoi. Je suis en surchauffe mais je peux rien faire. C'est comme ça qu'on écrit. Complètement bugué là. Bon vas-y, je vais crever parce que c'est en train de me saouler. C'est bugué comme c'est pas permis. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ouvre cette merde là? Ah bah voilà. Même pas ce que j'ai ouvert pour que ça fasse cette merde. Ok. Nord ! En formation ! Ah ouais ! C'est pas mal ça ! Je le touche à travers ?
Oh, mais ça fait tellement de dégâts, ça! Enfin un peu d'action! Allez, hop. Et bim, du loot! Ça, je peux pas le loot. Ah. Tui. Ouais, ça tabasse. Bah là, surtout qu'on y va en mode bourrin total. Ouais, j'ai bah là, blindé de loot. Je ressens plus rien, mais je vais pouvoir loot exactement. Je sais pas ce que j'avais où. Je sais pas ce que ça, j'avais fait pour que ça fasse ça. J'avais appuyé sur mage. Écoute. Alors, ça loot quand ça veut. Hein. Je spam le F. Ah, ça y est. Ok, donc ça c'est bien, on va tout prendre hein. Par contre je vous le dis direct. On va récupérer la mitraillette, je l'ai pas test du coup. Allez, let's go loot la totalité de ce qu'on a. Quoi? Qui? Ah puis il y a du beau bibim là, il y a peut-être moyen de se refaire hein, une petite santé en termes de... En termes d'armes. Dégoûté, j'ai looté un truc orange mais... Ça a pas l'air d'être... Que je voulais. Salut Rogue. Qu'est-ce que tu disais déjà? C'est à toi de résoudre tes problèmes. Ah, j'ai transporté trop de choses, je peux plus courir. Putain, décidément. Là, c'est mort. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Une merde de nettoyer. T'es contente? Une marchandise des Sixth. Ah, c'est la merde, je suis déjà trop lourd. Absolument que. Faut absolument que je prenne ce point. Je vais le prendre. Je vais le prendre le point pour le. Quoi ça? Je peux le virer ça? Je vais le prendre le point pour la... Le... Alors, fusil de précision. C'est ce que j'ai de plus lourd. Ok. Fusil d'assaut Ajax. 136 DPS. Attends, on va mettre en DPS. Pourquoi celui-là, il me dit qu'il fait plus. 136 et celui-là, 135. Un multiplicateur de dégâts de tir dans la tête. Chance d'empoisonnement. Ça, ben, il est mieux celui-là. Ah bah oui, celui-là est mieux. N'importe quoi. Ah, il y a un flingue. Ça y est, je vais virer le pompe. Je vais prendre un flingue. J'ai un petit gun là. Ça me paraît plus correct un gun. Et on va dégager tout le reste. On va dégager toute cette merde. Tout ce qui est vert en tout cas. Ça me prend une place ces guns. Bon, après, je vais pouvoir améliorer les miens. Donc d'un côté, c'est pas si mal. Hop, ça dégage. Attends, est-ce que je peux. Ouais, si je le vire ça aussi. Du coup, en fait, j'ai deux fusils de précision. D'accord. Allez, je dégage tout là. Hop. Ok. Est-ce que je pourrais pas améliorer quelque chose, du coup? Mes armes? Ouais, je peux. Hein. Je peux celle-là, mais est-ce que j'ai celle-là, moi? Nekomatap, c'est un pompe, ça? Ah, je peux le fabriquer, mais moi, je veux les améliorer, en fait. Par exemple, le fusil de précision. Je peux l'améliorer. Le fusil d'assaut, plutôt. Je peux pas. J'ai pas assez. Le gun? Ah, il est vert, c'est bof. Personnage. Est-ce que je pourrais pas... Alors, il y a un truc. J'ai pas de points. J'y entre. J'ai pas de points. Il y a un point pour... J'ai pas encore de points. Salut, Dedems, qu'est-ce qui... T'es en vac... J'y entre, t'es en vacances? Oh, qu'est-ce que c'est, ça? T'as bien de la chance. Bah, je dis ça, moi. GG, tonton. GG, tu l'as mérité. Si t'es en vacances, c'est que tu l'as mérité. Je me demandais si t'arriverais à rester pro pendant que tu menais ta petite vendetta. Putain! Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Ouh, il y avait un gros bibim par terre là! J'ai récupéré tout ce que je pouvais. Il reste un mec en vie, hein, je pense. Je crois qu'il reste un mec en vie. Tu te sens mieux? Alors, maintenant qu'on a lessivé la totalité de la map. Peut-être un peu. Bien, on se tient. Diablo 4! Ah oui! C'est bien ce gun. Rogue est une vraie connasse. Ça, ça va me plaire ce genre de gun. Je crois qu'elle a plus toutes ses connexions. Tu veux dire qu'elle a été toute aussi gentille à une époque? Non, quand même pas. Mais elle a déjà été à la place de Panam avant. Ah, on est encore passager. Diablo 4, c'était pas en janvier normalement? Ou c'était sur... Ah non, c'était Diablo sur mobile, je crois, en janvier. Comme ça. Je te promets. Allez, faut qu'on se voit au Sunset Motel. Avec le Chocoto, en plus, on a le temps de tester. On a le temps de tester du jeu mobile. J'y serai, t'as ma parole.
Ok, j'ai un rendez-vous. On va pas sortir du truc en vie, je sens. Ça te va ? Oui, si tu veux, oui. On va s'éclater. Passer le trajet. Ça, c'est la meilleure option de la Terre, ça. Meilleure option de la Terre. Ils sont là. Laisse-moi parler. Y a un risque ? Non. Enfin, je crois pas. Ouais. Ouais, c'est pas grillé qu'il a une arme dans la main gauche. Hé, hey, Paname ! Comment va Nash ? Il répond plus au tel, on dirait. Te fatigue plus à l'appeler. Un écho. Tu perdrais ton temps. T'as des couilles, miss. C'est quoi, ça ? Un petit extra ? On bosse ensemble. Tu changes de tchoum comme de chemise, toi. Tiens, je la marche. De tchoum ? Ouais. C'est bon ? T'es satisfait ? Surveille ton compte. Les édits devraient apparaître d'ici quelques minutes. Ça a été un plaisir. Mais c'est Rock qui va me payer, je me trompe. T'es valide. T'as mérité un pourboire. On décolle. Ok. Bon, c'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé. Plutôt réglo. Bien. On va s'en jeter. Hein. Allez. Ça marche. On va arrêter la VOD là pour YouTube. Merci ceux qui regardent sur YouTube. Rendez-vous demain pour la suite de Cyberpunk.